Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils, bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, avec la fête du baptême de Jésus, nous clôturons le temps de Noël. À partir du texte assez bref que nous venons d'écouter, je vous propose trois points qui nourriront peut-être votre prière ou votre réflexion. Regardons une fois encore le merveilleux visage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est une personnalité complexe, voire paradoxale. Nous connaissons la vigueur et parfois même la violence de ses propos. Mais l'Évangile nous montre un autre trait. Son humilité. Je ne suis pas digne. Attention, il ne s'agit pas ici de s'écraser. Je ne suis pas digne. Il est vrai que je ne suis pas digne du merveilleux trésor qu'est l'Évangile. Je ne suis pas toujours digne d'être associé à cette merveilleuse mission de porter l'Évangile à mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas toujours dignes d'être associés à la merveilleuse mission du Christ. Nous ne sommes pas toujours dignes d'être servantes, serviteurs de la mission du Christ. Nous pouvons peut-être demander pour chacune et chacun, et en tout cas nous pouvons demander pour l'Église, la grâce de l'humilité juste. J'en viens au baptême de Jésus. Cet événement peut être vu comme la confirmation de la vocation, de la mission de Jésus, être le Fils bien-aimé du Père. Et dans le baptême de Jésus, c'est notre vocation fondamentale, notre mission qui est confirmée. En Jésus, nous sommes les filles, les fils bien-aimés du Père. Nous sommes enfants bien-aimés du Père. Nous sommes frères et sœurs bien-aimés du Père dans le Christ. Saint Ignace écrit quelque part, « Je suis créé pour le service et la louange de Dieu. » Paraphrasant Ignace et l'Évangile, on pourrait dire, « Je suis créé pour être la fille bien-aimée du Père, pour être le fils bien-aimé du Père. » Et l'Évangile ajoute de manière heureuse dans la nouvelle traduction, « En toi je trouve ma joie. » Jésus fait la joie du Père. Jésus est source de joie pour le cœur du Père. Il en va de même pour chacune et chacun d'entre nous. Lorsque nous vivons en fille et en fils du Père, nous sommes source de joie pour le cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou comment être source de joie pour Dieu? J'en viens à mon troisième point. La semaine dernière, nous étions avec les mages à la crèche. Aujourd'hui, avec le baptême, Jésus inaugure sa vie publique. Entre ces deux événements, la tradition évoque
une trentaine d'années de vie cachée. Oh, nous savons peu de choses sur cette vie cachée. Il grandissait en taille, en grâce, en sagesse. Il y a bien sûr l'événement de Jésus à 12 ans au temple. Et puis plus loin, saint Marc fera allusion, n'est-ce pas le charpentier ? Nous savons peu de choses de cette vie cachée. Nous nous y arrêtons rarement. Et pourtant, ces 30 ans de vie cachée, ces 30 ans de vie ordinaire sont essentiels pour Jésus. Durant ces 30 années, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus, le Seigneur sauve. Jésus est sauveur par tout le mystère de son incarnation, y compris par ces 30 années de vie ordinaire, de vie cachée. Frères et sœurs, nous faisons la joie de Dieu lorsque nous vivons de manière aimante notre quotidien, notre vie ordinaire d'enfant, de parent, de conjoint, de célibataire, de consacré. Qu'il nous soit donné de vivre notre quotidien à cette intensité de notre vocation et d'être ainsi source de joie pour le Père, pour nos frères et sœurs. Amen. Il t'accueille d'un cœur purifié.